Quels sont les deux ou trois faits ou expériences marquantes que vous avez envie de retenir et qui vous ont finalement forgé en tant qu'homme d'industrie ? Je dirais que j'ai toujours baigné dans l'industrie de ma plus jeune enfance, mais ce qui m'a surtout marqué, c'est à la fois j'ai eu la chance d'avoir du compagnonnage, et à chaque fois j'ai eu des plus anciens qui m'ont appris à mes différents postes le métier et qui m'ont fait progresser au sein de la société, au sein du groupe FIV. Et donc ça, c'est vraiment c'est une histoire d'homme avec un grand H, hein, et de femme bien sûr. Et puis la deuxième expérience marquante pour moi, ça a été, j'avais un souhait sorti de l'école, c'était d'aller à l'étranger, à l'international. On veut toujours voir ce qui se passe un peu plus loin, et j'ai eu la chance et l'opportunité avec le groupe d'aller en Chine. Pour Nordon, c'était Nordon Cryo en fait au départ, qui est devenu FIV Cryo. Et j'ai monté cette filiale à Suzhou en partant de zéro, construire l'usine, trouver le terrain, construire l'usine, recruter, former pour fabriquer effectivement ces équipements spécifiques. Donc cette expérience chinoise est aussi extrêmement marquante pour moi et puis même pour ma famille, puisque j'avais emmené ma famille et mes enfants qui ont grandi 6 ans en Chine. Oui.